La Miss Nièvre 2015. Je ne vous interromps pas, monsieur le maire, cette histoire de... Mais non, mais écoutez, franchement... Mais non, mais attendez, c'est... Mais quoi? Moi, je croyais que ça fait génial. Bon, on fit. Allez, on va couper le suspense. Et donc, logiquement, la numéro 1, Mélissa... J'ai eu l'honneur de parler de toi, de te présenter. Quand tu étais dans les 8 premières, je t'ai vu également. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être Missième, mais je n'en savais rien, bien évidemment. Alors, rapidement, ce qu'il faut, on a beaucoup de choses à faire. Ça s'est passé comment? Très bien. Très bien, tu es contente? Oui. J'ai vu ta maman. Oui, elle était très émue. Elle était effondrée. Hein. Oui. Alors, tu me rappelles, tu as quel âge? 17 ans. Et tu fais quoi comme étude? En bac pro commerce. Bac pro, je sais pas c'est-à-dire. Et tu habites à Dorne, hein? Oui. Je crois. Et donc, je suppose que ce soir, Dorne t'attend. Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression qu'ils ont dû prévoir quelque chose de sympa. Le maire doit t'attendre, tout ça. On verra bien. Tu te rends compte, la fête avec un gâteau dans la salle? Non, c'est bien. Moi, je suis très fier de toi, c'est bien. Miss Nièvre, tu sais que... Hein, après, il faut Miss Bourgogne. Ouais. C'est quand? Ça va venir. Après Miss Bourgogne, hein, tu vas y arriver. Voilà. Donc, tout va bien. Là, pour l'instant, tu reprends tes études, je pense. Enfin, tu, hein, d'accord? Bon, c'est pas facile. Hein.
c'est que tu vas en avoir des caméras sur le nez à partir de maintenant. C'est normal. Voilà, je te fais la bise parce que c'est toute la foire qui te fait un bisou. Hein. Voilà, allez. Merci, bon vent, bon courage, puis je t'embête pas. On a rendez-vous à la radio là. Oui. Allez, à tout à l'heure. Comédie musicale dans des films comme Chercher le garçon, Un balcon sur la mer, Blandine insoumise, et puis un comique. Une heure sur la ligne mobile du côté de la gastronomie. Je crois qu'il y a du chocolat qui est en route avec monsieur Kaya. Chocolat, ce sont des ateliers de gastronomie. On ira voir aussi du côté de l'or des Incas, une bonne grande promenade, du côté de la Bolivie, du côté du Chili, pour cette belle grande promenade. Vous avez de l'Argentine, des spécialités de l'Argentine, d'Équateur, du Pérou. Et après, je vous laisserai découvrir la salle de l'or. C'est des répliques des différents musées du Pérou.